Bonjour, c'est Degas Kamoulou, depuis la République démocratique du Congo. J'aimerais rendre témoignage et parler de mon vécu par rapport au deuxième cycle que j'ai affronté chez EZ37. Le deuxième cycle, pour moi, j'avais opté pour la louange. C'est une matière dans laquelle Dieu m'a fait grâce de travailler. Donc, je suis adorateur dans mon église locale et ça m'a permis vraiment à découvrir beaucoup d'horizons. Et dans mon vécu, c'est que depuis un certain moment, j'étais froid en ce domaine-là. Je ne pouvais pas me relancer, je ne revenais que sur les mêmes choses. Et j'ai commencé à m'interpeller par moi-même, voyant que je n'évoluais pas, je n'avançais pas, je ne réussissais pas, je ne voyais pas les choses vraiment changer dans notre groupe de louanges. Et alors, par la grâce de Dieu, via cette formation, ça m'a permis à être boosté, à être relancé et à retrouver ma force spirituelle et surtout mon cœur d'adorateur pourvu que je puisse me consacrer beaucoup plus au Seigneur. Ça m'a permis encore une fois de plus à retrouver de nouvelles horizons et aussi à m'ouvrir par la grâce de Dieu, à me retrouver auprès des grands chanteurs, auprès des grands musiciens qui ont eu aussi à booster ma vie. Et c'était aussi un moment pour moi de grâce, un moment de grâce parce que ça m'a permis encore d'être en contact avec d'autres personnes. Entre autres, quand je l'ai étudié avec Jérémy Besnard, il a eu à me parler de Pasteur Dan Lutten, voilà, de l'église Momentum. Et ça m'a permis aussi de le suivre ailleurs et de continuer le cours. Donc, j'ai fini, bien sûr, avec la formation proposée chez EZ, mais j'ai continué avec le cours des capsules que Dan Lutten donne. Et ça m'a tellement boosté, ça m'a fortifié et ça a changé ma manière de voir les choses au niveau de la louange. Ça m'a donné aussi le goût de comprendre les choses selon Dieu, comment il a commencé avec Israël et tout et tout. Et aussi, ça m'a permis surtout et surtout à découvrir qui je suis aux pieds de Christ, surtout d'être dans mon champ, dans mon canal, afin de bénir Dieu par l'exceptionnel qu'il a placé à moi, au lieu d'être toujours et souvent le copier-coller. Ça m'a permis vraiment à me retrouver dans beaucoup de choses que je ne saurais dire dans ces moins de temps qui m'a été consacré. Je vous invite à suivre la EZM, à suivre plutôt EZ.